Chers amis, bonjour. Vous savez très bien que dans l'histoire du MHSC, nous avons connu des périodes glorieuses, d'autres plus difficiles, mais globalement beaucoup de périodes glorieuses. Et nous allons évoquer avec mon voisin, que évidemment beaucoup de gens vont reconnaître, l'une des périodes qui a été la plus mirobolante du Montpellier Hérault. Je me fais une joie d'être avec vous, Henri Casperzac. Bonjour Henri. Bonjour. C'est un grand moment que de converser avec vous parce que nous allons évoquer ces deux années que vous avez passées à la tête de l'équipe première du MHSC. Vous êtes arrivé donc l'été 90 et c'est au départ à Montpellier une surprise. Pourquoi ? Parce que vous étiez l'entraîneur de l'équipe adverse quelques semaines plus tôt en finale de Coupe de France. Alors j'aimerais évoquer avec vous déjà cette Coupe de France. Est-ce que vous en avez un souvenir ? Ben, tout à fait. J'ai un souvenir exceptionnel, car la participation déjà pour la deuxième fois pour moi avec une autre équipe en Coupe de France, c'était. Vous l'avez gagné avec Metz. J'ai gagné en 84 avec FC Metz, et c'était la deuxième finale que j'ai eue au Parc des Princes, bien sûr, contre Montpellier. Alors, c'était vous l'équipe surprise. Vous étiez à la tête du Racing Paris 1. C'était vous un peu la surprise de cette finale. Oui, c'est une surprise pour raison tout simple, c'est qu'on a eu un parcours très difficile pour arriver jusqu'à la finale. Parlons même en quart de finale, on a Bordeaux, à l'époque Bordeaux, une équipe très forte, une équipe qui représentait un football de qualité. Et puis, en demi-finale, on tombe sur une équipe exceptionnelle dans cette période, l'équipe de Bernard Tapie, l'équipe avec les joueurs renommés, avec les joueurs de qualité. Donc, en principe, ça a été pour nous, au départ, tout le monde a dit que c'est un mauvais. Bien sûr, tirage pour cette équipe jeune et dynamique de Racing Paria. Donc nous, bien sûr, on a pensé tout de suite contre qui on va jouer, bien sûr. Et puis finalement, en regardant, c'était je crois ces matchs, Montpellier contre Saint-Étienne, à Saint-Étienne, un demi-finale s'est joué la veille de notre finale au Parc des Princes. Donc, la veille finale, avant notre demi-finale. Donc, bon, tout simplement, on a suivi les matchs. On était contents aussi, parce que, bon, en principe, on n'a eu pas le choix. On a, au départ, tout le monde a pensé que ça sera peut-être Saint-Étienne, parce que c'est avantageux pour ces clubs jouer à domicile. C'est diminué. Et puis, aussi pareil, tout le monde a pensé que Marseille, à Marseille, contre Racing Paris, bon, passera facilement. Même pour vous souligner une anecdote exceptionnelle, c'est que même à la mi-temps, on était mené 1-0. Et les gens, bon, les speakers au stade qui annonçaient encore les billets pour aller à Paris, pour faire les voyages, etc., etc. Bon, vous savez, ils étaient presque sûrs qu'ils vont se qualifier pour cette finale. Ben, dans le football, il y a toujours des surprises. Donc, il y a une des surprises d'abord, c'est Montpellier qui a créé à Saint-Étienne, en gagnant 1-0. Et puis après, c'est nous qui on a créé une surprise, surtout en 12e mi-temps. On a fait un match plein, un match avec beaucoup de volonté de vaincre. Et puis, on a mérité, on s'est qualifié, car cette équipe de Racing Paria, qui était en difficulté en championnat, mais c'est une équipe qui s'est défendue pendant toute la longue des saisons, et bien sûr, pour sauver la saison, pour rester en première division. Donc,
C'est une équipe aussi très ambitieuse, une équipe qui voulait à tout prix aller au final. Alors sur le papier quand même, Henri, quand on regardait les compos d'équipe, ma foi, vous n'aviez pas à rougir, et Montpellier non plus, de la comparaison. Est-ce que vous aviez aussi un effectif paradoxalement très très mal en point dans la saison et en finale? Oui. Bon, il y a certains joueurs qui sont restés encore dans cette équipe, car vous savez bien, les présidents du club, M. Lagardère, a commencé un peu à se débarrasser. Il a annoncé officiellement qu'il ne sera plus les patrons l'année prochaine. Donc, il a vendu certains joueurs, les grands joueurs, on peut dire, qu'ils ont pas toujours donné satisfaction à hauteur des exigences du club. Donc, il a resté Olmeta, un grand gardien de but, et il a resté et Gignola, il faut sauver, et il y a Ben Malbrook, il y avait certains joueurs de qualité qui ont entouré la jeunesse, on peut dire, de cette équipe parisienne. Vous l'avez perdu, Henri, cette finale, vous l'avez perdu dans la pré-prolongation. Bon. Bah, je pense que dans l'ensemble, c'est vrai que c'était un match égal. Hein. Vous savez, toujours la finale se joue sur une petite chose. Dans les petites choses, c'est plus de chances qui a peut-être plus provoqué dans ces matchs. C'était Montpellier. Il s'est mis en abri en menant déjà 2-0. Donc, nous, après, on a essayé de bien réagir aussi. Bon, on a marqué les buts qui nous ont un petit peu motivé plus pour faire les meilleurs résultats. Mais malheureusement, on a tombé contre une bonne équipe montpelliéraine. Une petite indiscrétion, Henri, si je peux me permettre. Au moment de la finale, vous ne savez pas que vous allez venir à Montpellier ou on a déjà pris contact avec vous? Non, pas du tout. Ça s'est arrivé après la finale. Donc j'étais contacté par, le Nicolas. Et donc il m'a proposé son service, bien sûr, au club. Mais avant, je suis parti, tout de suite après la finale. C'était une semaine après, je suis parti en Belgique voir match la Pologne contre Belgique. C'était un match amical. Et, bon, moi, en principe, souvent, je supervisais les matchs, j'ai regardé un petit peu ce qui se passe dans le football, comme jusqu'à aujourd'hui, c'est pareil, hein, même si je suis à la retraite, mais toujours, je suis passionné dans le football, donc je suis un petit peu tous les championnats, on peut dire. À l'occasion de ces matchs, en regardant ces matchs, j'observe les joueurs polonais, et bon, j'ai trouvé un joueur. Bon, je ne cite pas pour l'instant les noms de ces joueurs, mais il me plaît parce qu'il est rapide, il est technique, il est très efficace dans les jeux. C'est lui qui a marqué, je crois qu'il est 8 parce qu'ils ont fait un partout. Et puis, j'ai oublié, je rentrais chez moi, bien sûr, à Paris. Et donc, tout d'un coup, Montpellier qui se manifeste. Donc, qu'est-ce qui vous a fait dire oui à Montpellier? D'abord les clubs, ouais, parce que bon, il y a club quand même, il y a une tradition, il y a aussi, comme j'ai regardé, il y a un effectif de qualité, il y a certains joueurs très ambitieux aussi. Je vais souligner les joueurs comme Laurent Blanc, il y avait Lucchesi toujours, il y a Baïs, il y avait Lemou, Jean-Claude et Souvrine, et Valderrama, il y a Guérin, je ne vais pas citer tous les noms. Donc je dis c'est un effectif valable, un effectif avec cet effectif, je peux faire quelque chose. Et puis, bon, vous n'êtes pas arrivé seul. Je suis parti pour rencontrer le président Nicolas, et en discutant, bien sûr, finalement, on a tombé d'accord. Donc, une fois que la décision est prise,
Bon, quelques jours plus tard, on a commencé à travailler pour préparer la saison prochaine. La fameuse. La fameuse, bien sûr, qui s'est préparée dans la manière, je dirais, comme toujours, professionnelle. Donc, il y a un groupe, bien sûr, qui était entouré auprès des présidents, des conseillers. Bon, je ne vais pas citer tout le monde, mais... Vous vous souvenez des joueurs qui sont venus avec vous cet été-là? Donc, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Je me souviens qu'on a fait les recrutements, bien sûr, qui est intéressant en ce qui concerne notre parcours, futur parcours de la Coupe d'Europe. Donc, on a commencé, bien sûr, à former un peu les joueurs déjà 11, 12, 13, etc. Et la question qui s'est posée dans la discussion, c'est que lui dit, il nous manque un ailier gauche. Un ailier gauche. Et je dis à Loulou, ben écoutez, vous savez, j'étais à un match en Belgique, j'ai vu un Polonais, pour moi, qu'il peut remplir, bien sûr, son contrat dans cette équipe. C'est lui, Colin, qui réclame un ailier gauche. Ah oui. Ben non, c'est nous, parce qu'on était, plusieurs, Pravda, on était un groupe. Il y avait Robert Nouzaré qui était responsable, il y avait père des jolis, Bernard Gasset, il y avait des groupes qui a en principe voulu écouter d'abord Henri Casperlas, qui pense comment on peut faire, parce que bon, etc. On a préparé la saison. Donc, on est arrivé à cette situation, mais Loulou l'a dit, Polonais, il n'y a pas de question, personne ne les connaît pas. Mais j'ai dit, moi, je les connais. Maintenant, je l'ai vu, garçon. Et j'ai la confirmation, parce que je regarde aussi les championnats en Pologne. Et vous savez, ce que je lui dis à Loulou, je lui dis, Loulou, écoutez, moi, quand je prends un joueur polonais, je prendrai mes responsabilités. Vous pouvez être sûr. Ah ah ah, vous savez comment Loulou, les responsabilités. Il ne croyait pas au départ. Et c'était encore pire parce que je vais vous raconter un petit peu les aventures qu'on a passées après. Mais il a dit, c'est difficile, mais vous savez, coach, etc. Bon. J'ai dit, ben écoutez, ça ne coûtera rien du tout, il va venir ici, et bien sûr, etc. Vous allez les voir, quoi. Et puis même dans le contrat, vous pouvez toujours à souligner, en cas d'un problème, vous n'êtes pas obligé de signer tout de suite, quoi. Attendons un jour, deux jours. Bon, mais il a, bien sûr, comme toujours, il a eu des renseignements aussi. Que c'est un joueur perfectible, c'est un joueur de qualité, il correspond au football français parce qu'il est très technique, il est très vif, etc. Puis bon, ben, finalement, Loulou, il a décidé d'aller les chercher. Et voilà comment la lumière a fait découvrir à la Mosson le fameux Jacek Ziober. Qui est Jacek, et puis c'est vrai que c'est un garçon qui a aussi rempli son contrat vraiment. Et à tout ce qu'on a pensé au départ de lui, et puis moi personnellement, parce que j'ai pris énorme responsabilité, mais allons plus loin. Donc, bon, on est à OK, et bien sûr à l'aéroport, moi j'étais avec Loulou Nicolas, etc. Bon, on a attendu Joubert, parce qu'ils sont partis avec l'avion de Loulou. Donc ils sont partis là-bas et ils sont revenus, mais ben, on était à l'aéroport en attendant les joueurs. Il arrivait avec les cheveux très très longs, et puis en plus avec des jeans troués, avec machin, des trucs. Et de loin, Loulou, il les cherchait. Il a pas pensé que... Il a la posture dans sa tête qu'il a pensé. Alors, Joubert, il m'a vu, coach, bonjour, bonjour. Hein? Et Loulou m'a regardé. Il a dit, c'est ce joueur. Je lui ai dit, oui, c'est ce joueur. C'est ce joueur. Et le lendemain, on fait entraînement.
Deuxième histoire extraordinaire. Louis Nicolas, il s'est mis au milieu rond-point du terrain avec des fauteuils. Et puis, nous, on a fait la causerie avant l'entraînement, comme toujours, pour préparer la séance. Et on rentre sous le terrain. Moi, je regarde Loulou dans les fauteuils. Hein, il regarde et il veut voir l'entraînement. C'est pas courant. Je dis, oh là là, comment il faut faire? Parce qu'il m'a un peu perturbé hein, dans la séance. Parce que moi, j'ai prévu utiliser tous les terrains, etc. Sous la longueur, sous la largeur. Et puis, hein, j'ai essayé à inventer des choses de ma manière, etc. Je me souviens, j'ai mis encore du côté où il était. Et quand j'ai fait à la fin un petit G, j'ai mis Jobert du côté où il était président de l'UE, quand il voit bien, etc. Bon, l'entraînement s'est passé, bon, on a fait beaucoup de choses, il a regardé toujours, bon, il n'a jamais, vous savez comment il était là, il n'a jamais rentré dans les problèmes des séances, quoi. Et puis, à la fin, bon, la séance d'entraînement, je suis s'approcher de lui, j'ai dit, bon, ben, Loulou, alors, qu'est-ce que vous pensez? Il dit, écoute, tu sais, je pense qu'il est pas malin, mais... Pas plus. Espérons qu'il nous donnera satisfaction, c'est ce qu'il a dit, parce que, bon, ça se confirme ce qu'il t'a expliqué avant, c'est que, bon, il a des qualités, il correspond au football français, technique, rapide, etc. Et puis après, bien sûr, ça s'est confirmé. Sur le terrain et au fil de la compétition. Harry, alors bien sûr, il y a Jacek Jobert, je comprends que par élan affectif, on pourrait parler 2 heures de votre compatriote. Ah ouais. Mais bien sûr, il y a quand même les autres. Il y a quand même les autres et il y a surtout, c'est ce qu'on aimerait évidemment aborder avec vous pour que vous le fassiez vivre ou revivre pour certains cette grande campagne européenne. Qui va donc débuter contre un club qui n'est pas un club anodin quand même, le PSV Eindhoven. C'est le début de la campagne. Alors là, vous êtes un peu pris de haut, non? Ben, je dirais, c'est vrai que au départ déjà, on a dit Eindhoven, un adversaire des qualités, surtout dans cette période. Bien évidemment, on a pensé de leur entraîneur, Robson, qui était monument là-bas, et puis même en Angleterre. C'était un entraîneur de grande classe, de grande qualité. Et en plus, à vos centres, Romario, les Brésiliens, il y avait Gretz, il y avait une bonne équipe. Vous savez, il y avait une bonne équipe. Mais, vous savez, l'entraîneur aussi, bon, ça c'est son rôle, un peu sentir, hein, bien sûr, le joueur individuellement d'abord, hein, dans les relations, dans les travails quotidiens, à aussi mettre les joueurs en confiance. C'est que chaque match, hein, bien sûr, à son tour. Je reviens un peu sur l'anecdote. Je me souviens que les dirigeants d'Eindhoven, vous avez pris un peu de haut. Ça avait d'ailleurs déplu au président Louis Nicolin. Et je ne crois pas. J'ai travaillé un peu psychologiquement aussi. Hein, parce que je dirais, il ne faut pas non plus apprendre cette équipe à la légère, quoi. Je pense qu'il faut quand même reconnaître leurs valeurs, surtout leurs qualités, et sans négliger, bien sûr, aussi notre qualité. Donc, dans la discussion que j'ai eue souvent avec les joueurs, je leur ai un peu expliqué, pour les mettre, bien sûr, toujours en confiance, mais toujours, je dis, les garçons, on joue premier match. Aller à domicile, c'est là qu'il faut faire la différence aussi. Donc, on a première chose, ce que je leur demandais, n'est pas prendre les buts, hein, les garçons. Et
on a réalisé ça. Et puis, bon, je dirais, au cours des matchs, on a marqué un but, on pouvait marquer encore, deuxième, et on est parti avec, bien sûr, ces deux d'avance à Eindhoven. C'était le but de Jacek Joubert.